Chaque année en France, plus de 300 enfants mineurs sont brutalement enlevés par l'un de leurs parents. Des enfants utilisés comme des instruments pour faire souffrir l'autre, otages d'un conflit entre deux êtres qui ne s'aiment plus. Qu'il dure quelques jours ou plusieurs années, cet enlèvement fait basculer la vie de ceux qui en sont victimes. Des enfants d'abord, arrachés à leur famille, leur pays, leur culture, mais aussi à tous ceux qui restent. Parents, grands-parents, amis qui vivent un véritable cauchemar et se battent chaque jour pour retrouver ces enfants kidnappés. J'ai voulu savoir comment un conflit parental peut aboutir à des actes aussi extrêmes, comment continuer à vivre et réussir à récupérer l'être qui nous est le plus cher, comment les enfants peuvent-ils grandir et se construire sur cette déchirure. En 2007, Mathilde a perdu la trace de sa petite Pénélope, âgée de 2 ans. Le père, d'origine grecque, a kidnappé la petite fille. Pour la retrouver, Mathilde a tout laissé tomber et s'est installée à Athènes en se jurant qu'elle ne reviendrait pas sans Pénélope. Cela va durer 2 ans. Du jour où je me suis rendu compte que Pénélope était enlevée, je n'ai eu aucune nouvelle de ma fille sous quelque forme que ce soit pendant 2 ans. Elle a pu vivre dans une camionnette pendant 2 ans, elle a pu vivre dans un appartement, elle a pu... C'est la grande inconnue pour moi. Et ça, je ne le saurai jamais. Benjamin n'a pas vu son fils depuis 7 ans. Son ex-femme s'est enfuie au Brésil avec le petit garçon, aujourd'hui âgé de 12 ans. Une situation devenue intenable. Pour pouvoir aller de l'avant, Benjamin a décidé de tenter le tout pour revoir son fils. Léo Réo, c'est mon fils à vie. C'est moi, son papa, qui l'ai nettoyé, qui l'ai sorti de la couveuse. Et ce qui se passe aujourd'hui, ben, je veux que ça aboutisse. Je veux le voir maintenant. Patricia a été enlevée par son père à l'adolescence. Elle a 16 ans lorsque l'homme les emmène, elle et sa sœur Nadia, en Algérie pour de soi-disant vacances d'été. Mais au moment de repartir, il leur annonce qu'elle reste sur place, promise en mariage aux deux fils d'une famille qu'elle ne connaissent pas. Au fil des mois, Nadia finit par plier. Patricia, elle, refuse de baisser les bras. Nadia, petit à petit, elle a commencé à plus sourire. Petit à petit, elle a commencé à être malade physiquement. Donc ça, ça a été vraiment les prémices de l'abandon. Elle me disait, la vraie Nadia est morte. Moi, je voulais pas qu'elle me dise ça. Je lui disais, tu vas voir, on va rentrer en France, tu vas voir. Toujours, je lui disais ça. Et moi, si j'y restais là-bas, c'était accepter de mourir. Et moi, j'avais pas envie de ça. Le fils de Nathalie a été enlevé par son ex-mari en 2011. Après une cavale de 5 mois, l'homme est finalement arrêté, mais aucune trace de Mathis. Depuis, le père refuse de dire où est l'enfant. Cela fait maintenant 4 ans que Nathalie vit dans l'angoisse et le doute. J'ai fait que protéger Mathis. J'aurais pu déplacer des montagnes pour le protéger. J'ai pas réussi. Pour commencer, c'est dans la région lyonnaise que je vais rencontrer Mathilde et sa fille Pénélope, qui a été enlevée par son père à l'âge de 2 ans. Bonjour Olivier. Bonjour Mathilde. Comment ça va? Ça va, merci. Vous? Bien. Bienvenue chez nous. Bonjour Pénélope. Oui. Tu me fais un bisou? Je t'en fais un deuxième. Moi. Tu veux montrer Pénélope? Ta chambre à Olivier? Ouais. Allez. Mathilde m'a prévenu que Pénélope, qui n'ignore rien de ce qu'elle a vécu, tient à me montrer des albums de photos que sa maman lui a fabriqués et qui retracent son histoire. C'est qui ça? Tout ému, ma maman. Tout ému, ta maman? Et pourquoi ouais. Tout ému? Parce qu'elle m'a trouvé. Parce qu'elle t'a trouvé? Oui. Et pourquoi tu étais où alors, toi? J'ai caché mon papa. Ah, ton papa, il t'avait caché? Oui. Regarde. En colère à ma maman. Pourquoi? Colère. Pourquoi en colère? Parce que je n'ai pas trouvé mon roi. Elle t'a pas trouvé? Non. Parce qu'elle te cherchait? Oui. D'accord. Papa, il avait fait une bêtise? Ouais. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il est puni. Pourquoi il est puni? Parce que grosse bêtise. Il t'a téléphoné, papa, depuis ou pas?
Non. Jamais. Jamais? Et ça te manque un peu? Oui. Tu ranges bien tes affaires, toi. Hein. T'es vraiment... T'es bien ordonnée. Hein. C'est bien. Là. Pénélope a 9 ans. Elle souffre d'une maladie génétique qui entraîne un retard intellectuel et moteur. Cette maladie, diagnostiquée vers l'âge de 6 mois, a été à l'origine de graves désaccords entre sa mère et son père, un jeune homme grec étudiant à Paris. Ce bébé est un véritable cadeau pour Mathilde, qui à cette époque est très amoureuse de ce jeune homme parfait. C'était quelqu'un qui était plein de ressources, c'était quelqu'un qui savait faire énormément de choses. Il savait cuisiner, il savait coudre, il savait faire de la mécanique, il était sportif, il était attentionné, il était fascinant, il était très beau. Il était très beau, moi j'étais très fière d'être au bras d'un homme comme lui. Il était tellement charmant, tellement attentionné que j'ai accepté des choses que je n'aurais jamais dû accepter. Je me suis complètement laissée embobiner. Qu'est-ce que vous n'auriez pas dû accepter dès le début ? Très rapidement, j'aurais dû comprendre que ce que moi je prenais pour des malentendus liés à notre différence de culture, notre différence de langue aussi, puisqu'il était grec, donc le français était une langue étrangère pour lui. En fait, ces malentendus n'étaient pas des malentendus, c'était déjà, je pense, les prémices de son impossibilité à avoir un autre point de vue que le sien. À titre d'exemple, quand Pénélope est née, ma famille et ma grand-mère, par exemple, n'a pas eu le droit de porter Pénélope dans ses bras jusqu'à ce que Pénélope ait 1 an. Et pourquoi ? Parce qu'ils considéraient que ça ne se faisait pas, que c'était sale, que les gens avaient des microbes, qu'il ne fallait pas. Il avait décidé que non, et c'était comme ça, et puis c'est tout. Et moi, j'obéissais, c'est terrible à dire, mais c'est comme ça que ça se passait. J'obéissais. Ah mais oui. Lorsque vers l'âge de 6 mois, les premiers signes de la maladie de Pénélope apparaissent, les choses se compliquent entre les deux parents. Il n'a jamais pu accepter que Pénélope souffrait d'une maladie génétique. C'était quelque chose d'inentendable pour lui. En fait, bien avant même l'enlèvement, Kyrgios avait menacé d'enlever Pénélope. Il avait à plusieurs reprises montré que Pénélope, c'était OK son enfant, mais surtout son objet, qu'elle était une image de lui. Et en cela, le handicap lui renvoyait quelque chose d'insupportable. Quand le médecin a commencé à évoquer cette nécessité d'aller voir plus loin, puis de faire des bilans, là, Kyrgios s'est montré très agressif. Et tout de suite, a dit non, mais c'est hors de question, moi, ma fille, elle n'est pas handicapée. Et c'est vraiment ça, on est vraiment dans de l'orgueil. Donc, dans ce déni total. Oui. Et à ce moment-là, c'est vraiment là que nos chemins ont commencé à se séparer et que moi, j'ai pu prendre de la distance. Et je savais que c'était à moi de prendre les décisions sur le médical, que je ne pouvais pas, là-dessus, permettre à Kyrgios de prendre la main, ouais. Complètement. Mathilde et son compagnon ne sont pas mariés. La jeune femme demande à un juge des affaires familiales de statuer sur la garde de l'enfant. Le jugement est rendu fin 2006. Selon eux, il valait mieux pour Pénélope qu'elle soit avec moi et que selon eux, son père n'était pas en capacité de mettre en place tout ce dont elle avait besoin. Il est écrit noir sur blanc, à la fois le déni du handicap, à la fois tout le dénigrement à mon égard. Mais... La justice rendait des décisions qui n'allaient pas dans le sens de ce qu'il souhaitait, lui. C'est justement parce que le père de Pénélope a eu à plusieurs reprises des décisions qui ont été à l'encontre de ce qu'il demandait lui, je pense, qu'au fur et à mesure du temps, il a pu faire son projet de l'enlever et de partir. Et là, c'est Pénélope qui a trinqué. Là, c'est clair, Pénélope, ça a été son objet préféré pour me faire du mal. Aujourd'hui, même 7 ans après, Mathilde vit toujours dans la peur d'un nouvel enlèvement. Alors, j'appelle juste le centre de loisirs. Pourquoi, en fait ? Pour leur confirmer que c'est mes parents qui viendront. 13, 32. Moi, je veux rien laisser au hasard. Et je tiens à ce que tout le monde soit au courant. Les animateurs du centre de loisirs, ils doivent être au courant de l'enlèvement. Tous les éducateurs qui sont au quotidien auprès de Pénélope, ils doivent être au courant de l'enlèvement. Ça fait partie des choses auxquelles on pense au quotidien. Je ne vais pas demander à Pénélope d'aller chercher du pain à la boulangerie. On ne sait jamais, peut-être que quelqu'un pourrait être au coin de la rue. Oui, bonjour Marie-France, c'est la maman de Pénélope. Je vous appelle parce que je vais avoir un petit contretemps. Je ne suis pas sûre que ce soit moi qui récupérerai Pénélope, ça sera peut-être mon père. Ok, donc c'était pour vous prévenir. Bon, ça marche. Eh ben merci, bonne fin de journée. Au revoir. Hop, et voilà, ça c'est fait, on peut continuer. Allez.
On va à Lyon-Perrache. Cette gare est chargée de souvenirs pour Mathilde. C'est là qu'elle a confié Pénélope à son père pour un week-end de garde qui devait être comme les autres. Donc on est le vendredi 17 octobre 2007. Pour la première fois, il semble être dans un esprit de conciliation. Au moment où moi j'allais repartir, alors qu'il avait Pénélope dans les bras, il me dit « tu devrais lui faire un bisou ». Parce que jusque-là, vous n'aviez pas le droit de l'embrasser. Voilà. Jusque-là, à partir du moment où Pénélope était dans ses bras, je n'avais plus accès à elle et elle n'avait plus accès à moi. C'est-à-dire que même si elle tendait les bras et qu'elle souhaitait me faire un bisou ou un câlin ou repasser une dernière fois dans mes bras, c'était interdit par son père. Et à ce moment-là, bien sûr, je n'ai pas compris que c'était une manière de me dire « fais-lui un bisou, tu la reverras jamais, ta fille ». Puis le dimanche soir, d'ordinaire, le père de Pénélope m'envoyait un message pour me dire à quelle heure il arrivait à la gare. Il y avait en gros deux trains qu'il pouvait prendre. Ce jour-là, il ne m'envoie pas de SMS pour m'indiquer à quelle heure il revient. Tout de suite, ça me met en alerte. Je me dis « tiens, ça, c'est pas normal ». Et puis bon, je me rends quand même à la gare à l'heure habituelle. Je crois que c'était 19h15, personne, rien, bon. Son téléphone était éteint. Et puis j'attends jusqu'au train suivant, 19h45, et là, il n'arrive pas. Et là, par contre, j'ai compris immédiatement. Tout de suite. Pour moi, il l'avait enlevé, ça c'était clair. Ouais. Par contre, à ce moment-là, je n'ai pas du tout imaginé qu'il avait pu l'enlever en réalité 2 jours auparavant. Donc on avait déjà 48 heures de retard sur son départ. Je n'ai pas du tout imaginé qu'il avait tout organisé, tout fomenté. Pas du tout. Mathilde porte plainte le soir même. Elle pense naturellement que la police et la justice vont rapidement retrouver la fillette. Or, 9 mois s'écoulent et rien ne bouge. Mathilde comprend qu'elle ne peut compter que sur elle-même. Elle abandonne alors tout pour s'installer en Grèce, apprendre la langue et se mettre à la recherche de Pénélope. Ici, à Athènes, Mathilde est seule. Elle ne sait pas exactement où chercher et surtout se heurte à l'indifférence générale. Je pense que foncièrement, le fait que ce soit son père qui l'ait enlevé a joué en ma défaveur. Il m'était tout le temps répondu « Mais enfin, madame, mais arrêtez de vous inquiéter, elle n'est pas maltraitée, votre petite, elle est avec son père. » Et puis, chez les policiers, je sentais vraiment une espèce de solidarité entre hommes. Mais c'est qui cette femme, de surcroît une étrangère, qui veut récupérer son enfant? Son père, c'est un Grec, il va s'en occuper, c'est un homme, il est comme nous. Ça, vous l'avez ressenti ou ça vous a été dit clairement? Ah, mais ça m'a été dit clairement très, très souvent. Dans le milieu de la justice, dans le milieu de la police, dans le milieu des ministères aussi. Vous êtes arrivé de vous dire là, à Athènes, dans ces moments où vous n'avanciez pas, de vous dire je ne la retrouverai peut-être jamais. Bien sûr. Ouais. Ah ben bien sûr, il m'est arrivé de me dire je la retrouverai jamais, il m'est arrivé de me dire j'arriverai pas à vivre. Et puis j'avais rencontré d'autres parents qui n'avaient pas retrouvé leur enfant et qui m'avaient très clairement dit prépare-toi Mathilde, peut-être que tu la reverras jamais. Donc ça c'était. C'était pas du tout gagné. Hein. C'était ça qui nourrissait mon désespoir aussi. C'était vraiment, vraiment le vide. Est-ce que je vais vivre avec elle? Est-ce qu'elle vit? Est-ce que je vais réussir à vivre sans elle? Qu'est-ce que ça veut dire de vivre sans elle? Comment... Et puis je pensais déjà à cette époque-là à la vieille dame que je serais devenue plus tard et qui peut-être retrouverait sa fille adulte ou qui se retournerait sur sa vie en disant « Mais cet enfant-là, je ne l'ai jamais retrouvé ». Pour combattre son désespoir, Mathilde tient un journal quotidien dans lequel elle écrit des lettres à Pénélope. Des lettres qu'elle n'envoie pas, bien sûr, mais qu'elle publie sur Internet, qui lui donne la force, à elle et au sien, de continuer à y croire. Pénélope, tu sais que je t'aime de tout mon cœur, et surtout, n'oublie pas, je viendrai te chercher. Je viendrai parce que les mamans reviennent toujours. Toujours. Face à l'inaction des autorités grecques, Mathilde décide de faire appel aux médias. C'est ici, chez Angélique Kourounis, qu'elle va jouer sa dernière carte. Angélique est une journaliste franco-grecque. À plusieurs reprises, elle a traité des affaires d'enlèvement parentaux.
C'est la première fois que Mathilde revoit ceux qui l'ont aidé à retrouver sa fille, il y a 5 ans. Oh, bonjour, bonjour. Ça va? Salut, Angélique et Thomas sont journalistes. Ils connaissent bien la mentalité grecque et les rouages de la justice locale. Sans leur aide, rien n'aurait été possible. Comment se fait-il que vous ayez été amené à traiter ce genre d'affaires? Parce que c'est des affaires qui sont récurrentes. Donc des couples mixtes avec l'un ou l'autre qui s'en va avec l'enfant. Moi, j'en ai eu 4 déjà ici. Et la seule qui a retrouvé son enfant, c'est Mathilde. Mais Mathilde, c'est la seule qui était venue, qui s'installait. Mmh. Il était clair qu'elle ne partirait pas sans la gamine. Elle avait 2 atouts. La gamine qui était handicapée. Ouais. Ça touchait tous les Grecs. Il fallait toucher les Grecs pour les faire balancer de votre côté. Et puis, Mathilde. L'apparence de Mathilde. En fait, pour moi, le moment déterminant, c'était quand on a filmé Mathilde, après qu'on eut épuisé toutes les conférences de presse, les dossiers de presse, les plateaux télévision, les sujets dans les télés, dans les radios, dans les journaux, les conférences de presse partout où on allait. J'avais une conférence de presse avec les ministres des Affaires étrangères. Hop, je prenais Mathilde avec moi et je la poussais devant la ministre. Elle donnait son fameux dossier bleu. Et après, on a dit bon, on va passer la vitesse au-dessus. On va faire du porte-à-porte, c'est-à-dire de retourner là où elle vivait avec cette fameuse robe blanche, ses sandales de Madone, et faire du porte-à-porte. On est à la limite de l'opération de com. Complètement. On était plein dedans. Avec l'aide de ces 2 journalistes, Mathilde multiplie les actions et les coups d'éclat. Comme ce jour d'août 2009, où elle organise en public l'anniversaire de sa fille, malgré son absence. Aujourd'hui, c'est le 4 août 2009. C'est la fête des 4 ans de Pénélope. J'ai décidé pour ses 4 ans de lui dire où qu'elle soit, que je suis là, que sa maman est là, que je n'ai pas oublié qu'elle était là, quelque part, cachée, dans ce quartier, dans la commune, dans la région, en Grèce, je ne sais pas exactement où, mais en tout cas, je suis là pour elle. Et je veux que tous les gens, que le maximum de gens ici, sachent ce qui se passe pour Pénélope, sachent que Pénélope a vraiment des difficultés, a vraiment besoin de soins, a vraiment besoin d'un matériel orthopédique adapté, qu'elle ne l'a pas. La télé grecque est venue et les gens ici ont très très bien réagi. Les gens se sont arrêtés, ont pris le temps de discuter, ont pris le temps vraiment de poser des questions, de regarder des photos de Pénélope. Ils ont compris que Pénélope était vraiment une petite fille, au-delà d'un numéro de dossier, au-delà d'une affiche de Ramoyal Autopédio. Et ça, vraiment, j'en suis très contente. Vous avez des éléments qui vous font croire quelque chose? Votre enfant, vous avez des nouvelles? Alors, j'ai pas de nouvelles précises de Pénélope. Par contre, plus je parle avec les gens, plus je me rends compte qu'il y a des gens qui savent. J'espère vraiment que les appels répétés à la population porteront leurs fruits et que les gens comprendront qu'ils peuvent appeler le sourire de l'enfant de manière anonyme, qu'ils peuvent appeler le numéro européen 116 000 de manière anonyme. C'est vraiment très important. Cette mobilisation va finir par payer. Sous la pression des médias puis des politiques, la police est obligée de bouger et convoque enfin le père de Pénélope. Le 14 septembre 2009, l'homme arrive au commissariat avec la petite fille, sans savoir que Mathilde est là pour la récupérer. J'ai été invitée à aller dans un bureau avec donc le policier que je connaissais déjà, le policier grec qui s'occupait de l'affaire. Et nous avons échangé sur ce qu'il convenait de faire à ce moment-là. Il était question que vous récupériez votre enfant à ce moment-là, vous le saviez? Oui. Alors, à ce rendez-vous, il faut vraiment imaginer que dans le bureau, je n'étais pas seule. Hein. Il y avait mon avocate, il y avait le policier de l'ambassade, il y avait la traductrice de l'ambassade, mm-hmm. Il y avait la personne de l'association du sourire de l'enfant. Dans les couloirs, il y avait tous les journalistes. Je dirais que si j'ai douté jusqu'au moment de ce rendez-vous dans le bureau, à partir du moment où on était dans le bureau, j'ai plus douté que j'allais la récupérer. Donc, comment se sont fait ces retrouvailles? Parce que vous avez dû les appréhender, ces retrouvailles. C'est une petite fille que vous n'aviez pas eue dans vos bras depuis 2 ans. Je crois que je n'ai pas pris conscience tout de suite du fait que je ne la connaissais pas. C'est venu en quelques heures, ça s'est venu. Mais au moment où on était encore au commissariat, je n'avais pas encore compris ça. Ce que je me disais à ce moment-là, c'est que j'étais une étrangère pour elle. Donc j'essayais d'être très calme, très douce, de tout lui expliquer où on allait aller,
qui j'étais. Je lui ai redit plusieurs fois que j'étais sa maman. Vous avez eu l'impression qu'elle vous comprenait ? Je pouvais pas dire si elle me comprenait. En tout cas, elle, je pense qu'elle a très vite perçu que mes intentions étaient bienveillantes à son égard. Puisque en quelques heures, je me suis installée comme sa référence. Elle était tout le temps avec moi. Elle me regardait énormément. Elle me fixait en permanence. Ouais. J'avais vraiment l'impression qu'elle cherchait dans mon regard à s'agripper, elle aussi, pour tenir. Elle s'assurait, sans doute. Ah oui. Je pense que ça a été très difficile pour elle. Très, très difficile. En plus, moi, je ne savais pas ce qu'elle mangeait. Je ne savais pas à quelle heure elle se couchait. Je ne savais pas avec quel rituel elle se couchait. Je savais qu'elle avait une sucette, mais c'est tout. Je ne savais pas si elle s'endormait avec de la lumière, pas de la lumière. Des trucs toutes bêtes, mais qui sont hyper importantes pour un enfant. C'était une grande fille que vous récupériez là. Oui. Le 17 septembre 2009, Mathilde rentre enfin en France avec Pénélope, âgée de 4 ans. Mais les conditions dans lesquelles a vécu la petite fille pendant ces deux années restent pour elle un mystère. Aujourd'hui, cela fait presque 6 ans que la petite vit à Lyon avec sa maman. Depuis, elle a appris le français, elle a des copains à l'école. C'est une petite fille douce et gaie. Cet après-midi, nous allons rendre visite à Jean-Luc et Anne-Marie, les parents de Mathilde. Lucie, la petite sœur de Mathilde, est là, elle aussi. La famille est réunie autour de Pénélope. Un bonheur qu'il savoure à sa juste valeur. Comment est-ce que vous avez vécu cet enlèvement, vous, en tant que grand-parent ? Très mal. Ouais. Plus que très mal. Hein. Nous, on était effondrés, donc ça a été une grande souffrance. Et puis, bon, de ne plus voir notre puce, là... C'est pire que mal, quoi. Donc, il fallait qu'on vive. On pouvait pas... C'était toujours présent, hein. C'était tout le temps présent. Ouais. En famille, à Noël, je vous dis pas. À Noël... Noël 2007 et Noël 2008, quoi. Ouais. Elle a été retrouvée qu'en septembre 2009, hein, pas. Ouais. C'était donc, le plus beau Noël de notre vie. Avec Pénélope, qui doit avoir à peu près 90 000 cadeaux, je pense. Ah, mais décembre 2009, ouais. On a récupéré un peu de retard. Aujourd'hui, vous restez encore choqué de tout ce qui vous est arrivé ? Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, j'ai toujours peur qu'il réapparaisse. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Parce que je ne crois pas qu'il ait progressé beaucoup et qu'il se sente coupable de quoi que ce soit. Hein. Moi, ce qui m'embête aujourd'hui, sincèrement, c'est qu'il est complètement impuni. Il a, normalement, il doit 35 000 euros à Mathilde d'un côté, il doit faire un an de prison. Hein. On le laisse, quoi. Moi, j'aimerais bien qu'on lui tape sur les doigts, quoi. Je veux pas qu'il aille en prison un an, quoi. Et pourquoi pas ? Ça lui ferait du bien. Mais je pense que par rapport à sa personnalité, que déjà on le prenne comme ça, on lui tape sur les doigts, rien que 8 jours, en disant « vous avez fait le con », qu'il comprenne, quoi. Je suis pas sûr qu'il ait compris. Mais si aujourd'hui on a cette charmante petite fille qui est là au bout de cette table, c'est que... Vous avez, vous en tant que grands-parents, en tant que frère et sœur, surtout des sœurs d'ailleurs, vous avez contribué à ce que Pénélope revienne ici. Moi j'en ai conscience dans ce que Mathilde nous dit. C'est évident qu'elle n'aurait jamais retrouvé Pénélope si on n'avait pas été là. Mm-hmm. Nous à notre niveau on ne pouvait pas faire beaucoup plus que de dire à Mathilde, il n'y a que toi qui peux le faire, il n'y a que toi qui peux trouver la ténacité. Mm-hmm. Elle l'a fait, mais elle n'aurait pas pu le faire sans... Ah oui, je pense qu'elle aurait... Votre soutien financier, d'abord. Ça compte. Combien ça a coûté, ça, tout ça ? Si on fait le L'avocat, compte... les voyages, l'ordinateur, si on fait le compte de tout ça... L'avocat qu'on paye encore. L'avocat qu'on paye encore. C'est pas fini, hein. C'est pas fini, ouais. Mais on en est à peu près à combien ? On en est au moins à 40 000 euros. 40 ou 50 000. Sachant qu'elle a perdu un an de salaire, parce qu'elle a pris une disponibilité. Hein. Donc, en quelque part... Et puis, la famille, les amis... En gros, je crois que c'est dans les 15 000 euros, les amis qu'ils ont donné. C'est quand même pas négligeable, quoi. Ça veut dire que si vous aviez dit « non, on paye pas », si on n'avait pas eu d'argent... Je pense qu'il y a un problème financier qui est évident, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune aide. S'il n'y avait pas eu ces gens, même avec la meilleure volonté, je ne sais pas si vraiment on aurait abouti. Hein. Malgré le bonheur retrouvé, je sens que pour cette famille, la peur de l'enlèvement persiste. Le père de Pénélope a téléphoné régulièrement à sa fille pendant l'année qui a suivi son retour en France. Depuis, plus de nouvelles. De retour en France. Est-ce qu'il a arrêté d'appeler parce que
Il a senti qu'il n'avait plus d'emprise? Est-ce qu'il a arrêté d'appeler parce qu'il s'est résigné? Est-ce qu'il a pris aussi la décision radicale, de la même manière qu'il avait pris la décision radicale d'enlever sa fille, de dire « cet enfant-là, ça n'est plus la mienne, j'en veux plus, je veux plus ». Moi, je le vois tout à fait aussi comme ça, hein, dire à sa famille « à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus qu'on prononce son prénom, je n'ai plus d'enfant, je n'ai jamais eu d'enfant et c'est terminé ». Il peut aussi avoir fait ça. De la même manière que je n'ai, 5 ans après, toujours pas compris pourquoi il l'avait enlevé, ben je n'ai pas plus compris pourquoi il ne prend plus de nouvelles. Pénélope, c'est vraiment une petite fille de valeur, qui est hyper persévérante, hyper courageuse dans son quotidien, dans ce qu'elle traverse. Elle en a gros sur le cœur de ne pas voir son père. Et en même temps, demain, si son père a envie de l'appeler, il a complètement... On sait où on habite, on sait notre numéro de téléphone, on vit pas caché. Je trouve que l'attitude de Mathilde force le respect. Malgré les souffrances endurées et une confiance brisée, Mathilde reste avant tout une maman qui sait que le bonheur de Pénélope passe aussi par un lien avec son père. Je pars au Gros du Roi, dans l'Hérault, à la rencontre de Benjamin. Benjamin a 37 ans et cela fait désormais 7 ans qu'il n'a pas revu ni parlé à son fils Oreo. Bonjour Olivier. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, merci. Je suis très heureux de vous rencontrer enfin dans cette belle région... Port-Camargue. De Camargue, ouais. Ouais, une très belle région. Bon, si nous sommes aujourd'hui ici, c'est pour parler d'une histoire d'amour avec une jeune femme que vous avez rencontré en 2000. On va parler aussi de votre fils, qui s'appelle Oreo. Oreo. Oreo, c'est donc son prénom, puisqu'il faut dire que la maman est brésilienne. Donc il est moitié français, moitié brésilien. Et Oreo, la définition, en portugais, on le dit Aureo, et c'est l'or de la terre du Brésil. Mm-hmm. Et donc c'était en mémoire du papa de mon ex-épouse, qui portait ce prénom-là, que j'ai donné ce prénom-là à mon fils. Oreo Mario Jorge, qui aujourd'hui a 12 ans. Ouais. Et qui vit à... Qui vit au Brésil. Au Brésil. Avec sa maman, dans la région de Sao Paulo. Alors on va revenir en arrière. Ouais. D'abord par cette rencontre avec cette jeune femme brésilienne. Aurea. Ouais. Aurea. Le féminin d'Oreo. D'accord. Vous l'avez rencontrée où, Aurea? Dans le cadre de mon travail. Donc j'avais 22 ans avec mon papa, dans le monde de la pétanque. Mmh. En 2000, les championnats du monde de pétanque ont eu lieu au Portugal. Et lors de la soirée de clôture du championnat du monde, on s'est rencontrés dans la salle de spectacle de l'hôtel où nous étions, et où il y avait une troupe de danseuses. Et on s'est rencontrés, on a flashé, et puis voilà. Un véritable coup de foudre entre deux jeunes gens qui ne parlent pas la même langue. De retour en France, Benjamin achète un dictionnaire français-portugais et passe son temps au téléphone avec Oreo. Au bout de quelques semaines, la jeune femme le rejoint en France. Benjamin trouve un appartement, la présente à ses parents, mais très vite, ceux-ci le mettent en garde. Oreo n'a pas de visa pour rester en Europe et risque l'expulsion à tout moment. La seule solution qui était plausible, c'était le mariage. Donc on se marie, il n'y a même pas une dizaine de personnes à mon mariage, ma mère n'est pas là d'ailleurs. On ne fait pas de fête, il n'y a pas de grande fiesta, ça se fait dans un restaurant vite fait, puis voilà, on est mariés. Vous vous mariez parce que vous vous aimez tous les deux à l'époque. Alors quoi qu'il arrive, on s'aime, mais ça va trop vite. Ouais. Et en mai 2002, Oreo arrive, la naissance de mon petit prince, mon petit Brésilien. Et donc ben là... C'est là que ça a commencé à pas aller très bien, puisque j'avais une façon de voir les choses quant à l'éducation d'un enfant, surtout un bébé, un nourrisson. Moi, je souhaitais, on avait assez d'argent pour avoir une belle maison, une chambre toute neuve, toute belle pour Oreo à côté de la nôtre. Et elle l'a allaité, je crois, je sais pas, jusqu'à 1 an et demi ou 2 ans. Le bébé dormait avec nous dans le lit, et moi, ça s'est pas passé. Donc, on a commencé, moi, à dormir dans mon bureau ou dans le salon. Donc il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus tout ça. Et puis un jour, pas fait comme un autre. Nous sommes le 26 octobre, j'avais une petite opération qui était prévue depuis 2 mois. Petite intervention chirurgicale au niveau du nez, enfin la cloison nasale.
Et c'est 2-3 jours d'hôpital. Et il était prévu que ce soit ma femme, donc la mère d'Oréo, qui vienne me récupérer. Et au bout du troisième jour, au moment où je dois sortir, j'appelle, personne ne répond. Je m'inquiète. Du coup, ben, j'ai des mèches dans le nez. Je prends un taxi jusqu'à la gare. Je prends le train de Montpellier jusqu'à Béziers. Arrive à la maison, je vois tous les volets fermés. Et là, je balise. Et je m'approche de la porte d'entrée, parce que je n'avais pas les clés, et je vois une enveloppe marron coincée dans la porte. Je déchire, j'ouvre l'enveloppe, les clés de la maison. Une lettre, alors je vais payer le taxi, j'ouvre la porte, là la chienne, parce qu'on avait un petit chien, un petit bichon bolonné, qui me saute dessus, enfermé depuis 3 jours, qui avait fait ses besoins, alors l'odeur, enfin bref. Et là, je commence à lire la lettre. Elle me dit qu'elle est partie au Brésil, comme tu irais à l'épicerie acheter des carottes. Elle est partie au Brésil. Elle m'écrit sur la lettre pour aller gérer les droits de succession de son papa, qui est décédé depuis plus de 10 ans, et puis pour présenter Oréo à la famille, à ses amis, à sa famille et tout. Mais là, j'hallucine, quoi. Je suis effondré. C'est un sentiment que j'avais encore jamais, j'avais encore jamais ressenti ça. Parce que la personne que j'aimais, avec qui j'avais un enfant, où j'avais assisté à l'accouchement, où j'avais... Ben, tout ça, ça, voilà, c'est comme si j'avais fait les fondations de ma maison avec du sable, voilà. Parce que tout est organisé depuis un moment, c'est prémédité tout ça en plus. C'est ça qui fait du mal, après. Donc à partir de là, pour moi, c'est fini, quoi. Je pourrais plus faire confiance. Benjamin découvre que sa femme a bien préparé sa fuite. Elle a demandé de l'argent à ses voisins pour se payer le billet d'avion, imiter sa signature pour pouvoir sortir son fils du territoire. Au bout de quelques jours, il arrive à la joindre, reste en contact permanent avec elle, et 4 mois après sa fuite, Benjamin la convainc de revenir. Il lui paye son billet retour, Oréa rentre en France, mais pour Benjamin, plus rien ne sera comme avant. Donc là, on se sépare et on part sur le cadre de la loi, un week-end sur deux, un week-end sur trois, enfin pour voilà. Pour qui? Pour vous? Pour elle? Pour moi, pour puisque vous. C'est elle qui est à la garde, on fait le divorce à l'amiable, jusque-là, tout va bien. D'accord. Et on continue à se revoir un petit peu malgré tout. Mais elle fait sa vie, ça, moi, je fais ma vie. D'accord, mais ça veut dire quoi exactement? Vous faites votre vie chacun de votre côté. Oui. Mais lorsque vous vous voyez, voilà, il vous arrive de temps en temps, on a eu à nouveau une relation. Moi, je me laisse aller parce que ben, je vois Oréo, que Oréo, quand je suis là, je déconne avec lui, je fais l'imbécile, il rigole, il adore, on me saute dessus, enfin... Et vous êtes à Palavas dans l'appartement, voilà, avec sa maman. Je passe le week-end, le samedi, le dimanche, là-bas. Et un week-end où je viens, c'est le dernier week-end de février. Je suis dans la chambre d'Oréo, allongé, en train de dormir, on fait la sieste, il est 15h. Et là, je l'entends gueuler, taper dans la porte, avec mon téléphone à la main, en me disant « Ouais, tu reçois des messages, ton téléphone, il arrête pas de sonner. » Et là, je suis stupéfait, j'ai fait tout de même « Oréo, arrête, mon téléphone, il est dans ma veste, il est sur vibreur, mais mon téléphone est là. » J'ai dit « Mais toi, ton téléphone, il est où, par contre ?» Parce que depuis 2 jours que je suis là, je l'ai pas vu. « Ah, mais mon téléphone, il est dans mon sac, dans la chambre. » »« Ah bon ?» Dans ton sac, dans la chambre? Oui, dans le placard en haut. Ah bon, dans le placard? Je dis, mais il y a quelque chose à cacher alors. Et là, donc, du coup, je monte, je prends le sac et je vois un journal intime qui raconte tout ce qu'elle fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je lis le portugais, je le comprends, et là, je me rends compte que, voilà, tel jour, soirée avec Jean-Pierre, tel jour avec Laurent qui lui a offert des sous-vêtements, tel jour ci, tel jour ça. Et là, il se passe 1000 questions dans ma tête. Je me dis, mais quand elle fait ses soirées, tout ça, vu qu'elle travaille pas, qu'elle a pas d'argent, Oréo, il est où? Oréo, il est pas scolarisé, là. Donc, il est dans sa chambre, elle est dans sa chambre en haut, ou alors elle laisse Oréo à la maison et elle se barre faire la fiesta. J'en ai aucune idée. Et encore aujourd'hui, je lui ai posé 100 fois la question, elle m'a jamais répondu. D'accord. Parce qu'il y a des horaires. Elle dit, je suis rentré à minuit, elle dit, je suis rentré à 1h. Donc, est-ce qu'il est chez une nounou? Mais comme elle travaille pas, donc a priori, elle peut pas le faire. Donc, c'est plein de questions qui restent en suspens. Donc, dans les 3 jours qu'on suivit, je prends l'avocat et je lui dis, écoutez, on arrête le divorce à l'amiable. Donc, transfert de la garde d'Oréo, puisqu'elle m'empêche de le voir quand je veux. Et elle est incapable de me dire où est-ce qu'il est quand elle est à droite ou à gauche. Donc, et là, bah, il se passe, nous sommes début mars, il se passe 2-3 mois, la procédure est lancée, elle reçoit les papiers. Mmh. Et le 26 juin 2004, c'est le jour de la fête des pères. Ce jour-là, à 13h, je devais récupérer l'enfant et... J'appelle, je vais chez elle, personne. Et là, j'ouvre le volet et l'appartement vide.
Vous avez déjà connu ça? Ben ouais, j'ai déjà connu ça, malheureusement. Vous vous dites tout de suite, là? Ah, ben là, je sais qu'elle, pour moi, elle est partie... parce qu'elle n'attend pas les décisions de justice du divorce ou de la garde. Mm-hmm. Elle sait qu'elle va perdre, de toute façon. Et à 21h30, mon téléphone sonne. Et elle, avec une petite voix, qui me dit « Ouais, je t'appelle pour dire que tu pourras pas voir Auréo pour la fête des pères et tout. » Elle me dit « Je suis au Brésil. » Ben, j'ai dit « C'est bien. » Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, dans votre tête, en fait... Ben moi, je suis à saturation. Là, je peux faire un salto arrière du 5e étage, quoi. Je peux m'ouvrir les veines et dire... Ça vous est passé par la tête? Ah ouais, bah oui, hein. Tu sais, t'es tout seul dans ta grande maison, tout seul, tu vois les jouets d'Oreo qui traînent de partout, et lui, il est à l'autre bout du monde. Ah oui, t'y penses, ouais. Et heureusement que j'ai ma sœur, que j'ai de la famille, parce que dans ces cas-là, tu penses à eux, quoi. Tu dis, eux, ils m'aiment, ils sont là pour moi aussi, et... Mais c'est juste impensable. Là, la situation, elle est... Je suis vanné, je suis épuisé. Mais c'est vrai que là, ce coup-là, le coup de la fête des pères, c'est... Voilà, c'est encore une ligne de plus à rajouter. Benjamin comprend que cette fois, Auréa ne reviendra pas. Il entame une procédure pour enlèvement. Et en décembre 2004, après avoir tourné en rond plus de 3 mois, il s'envole pour le Brésil et retrouve Auréa et son fils sans les prévenir. Benjamin reste 3 semaines sur place, mais il se rend vite compte que son ex-femme n'a pas la moindre intention de partager Auréo. Elle a commencé à refaire sa vie avec un autre homme. Entre Benjamin et Auréa, le point de non-retour est atteint. Désespéré, il rentre seul en France. Corinne, la mère de Benjamin, l'a accompagné dans son combat judiciaire contre son ex-femme. Elle a été condamnée, hein, pour enlèvement et non-présentation d'enfants, 1 an de prison ferme par le tribunal de Montpellier. Ça, c'est donc en France qu'elle a été condamnée. Vous, vous avez décidé avec votre fils d'aller au Brésil. Oui, en 2007, nous sommes partis tous les deux à Sao Paulo. Et puis, quand on est arrivé le soir à Sao Paulo, à l'hôtel, oui. Auréa est arrivé avec le petit qui, quand il a vu son père, qu'il ne l'avait pas vu depuis un an je crois, il a sauté dans les bras, c'était très très touchant. Mais elle n'est pas arrivée seule, elle est arrivée avec 2 hommes que je ne connaissais pas. Mm-hmm. 2 hommes. Et donc on a bu un verre, il était tard, et au moment où elle est partie, on était devant l'entrée de l'hôtel, on se disait au revoir. Elle se retourne et elle dit à Benjamin, « Ah ben écoute Benjamin, si tu veux revoir ton fils demain, rendez-vous demain à 9h au tribunal de Carapicuiba, là où elle habitait. » Et elle est partie avec le petit dans les bras. Donc quelle est votre réaction à ce moment-là? Vous vous dites... Qu'est-ce qu'elle nous réserve? Et voilà, et le lendemain, on est allé au tribunal. Et elle voulait que Benjamin renonce à ses droits de père. Voilà. Et Benjamin a refusé. Et bien, on a passé 15 jours à Sao Paulo, on n'a plus revu le petit. C'est ce qui en découle, en fait. C'est voilà. Que vous ne revoyez pas le petit. On ne le revoit pas. Vous avez essayé quand même d'aller à nouveau à la maison, le voir. On y est allé 2-3 jours après avec tous les cadeaux, là où il habitait. Et on a été chassés, on a été poursuivis, menacés de mort. On a changé d'hôtel, on s'est réfugiés au consulat de France, à Sao Paulo. Ça fait qu'on est allé au Brésil et on l'a vu, quoi, 20 minutes. D'accord. 20 minutes. Je le vis mal. J'ai des photos de mon petit-fils auprès de moi tout le temps. Au regard de la justice, Benjamin a la garde exclusive de son fils. Il pourrait retourner au Brésil, mais sa dernière tentative l'a profondément choqué. Depuis, le contact avec Auréo est rompu. Voilà Benjamin. Ah, ma petite fils. Mère. Ça va, mon bébé. Tu peux pas l'oublier, enfin, tu l'oublies pas, quoi. Quand t'as un enfant, malgré tout... Alors c'est sûr que les questions du quotidien, de savoir comment il mange, qu'est-ce qu'il aime, c'est un trou béant, quoi. Un manque perpétuel, parce que... On ne sait rien de lui. Mm-hmm. Je sais même pas en quelle classe il est. Vous souhaiteriez quoi, aujourd'hui, pour Auréo? Moi, aujourd'hui... Malgré les décisions de justice qui sont en ma faveur, que ce soit pour la garde, que ce soit pour le divorce perdu, plus la condamnation pour détention d'enfants à ceux ayant droit... Une condamnation à 1 an de prison ferme, hein. Pour elle, oui. Malgré tout, voilà, je ne me voyais pas faire ça. Prendre Auréo, qu'on prenne sa mère, qu'on la mette 1 an en prison,
Et qu'est-ce que je vais dire, moi, au petit, tous les jours? Il va me dire, elle est où sa maman? Je vais dire, bah, écoute, mon fils, je suis désolé, tu vis avec papa maintenant, et ta mère, bah, on ira la voir au parloir. Waouh, c'est pas pensable de faire ça. Moi, ce que je souhaite depuis le début, c'est que Auréo puisse venir un mois, deux mois en France, voilà, connaître sa famille ici, le pays où il est né. Ouais, des choses simples à partager avec entre un papa et son fils, quoi. Et qu'il puisse repartir au Brésil. Il a sa vie au Brésil. Elle a refait sa vie. Elle a eu deux ou trois autres enfants. Donc, ce qui veut dire qu'il a des petits frères, des petites sœurs. Ouais. Donc, il est hors de question de le retirer. Qu'elle comprenne qu'on aime Auréo, qu'on l'a toujours aimé. On ne l'a pas vu grandir et ça, on ne pourra pas le rattraper. C'est trop tard. Ah non, ça, c'est perdu. Hein. Voilà. Ça me fait chier que, tu vois, il a 12 ans, que dans 8 ou 10 ans, un gamin tape à la porte de chez moi. Je ne sais pas quelle sera ma situation, où est-ce que je vivrai. Et que j'ouvre la porte et que je vois un mec qui me ressemble. Et ce serait trop dommage. Ce serait trop injuste et pour lui et puis pour moi. Parce que j'ai pas, enfin, je ne peux pas attendre. C'est plus attendre tout ça, quoi. C'est maintenant qu'il faut le voir. Mm-hmm. Ce serait bien que ça se décante avant, quand même. Tu vas le revoir. Ouais. L'heure est venue pour Benjamin d'enterrer l'âge de guerre. Il a donc décidé de contacter Auréa pour retenter sa chance une nouvelle fois. De son côté, son ex-femme semble avoir mûri et son discours a évolué. D'abord réticente, elle a quand même accepté un rendez-vous avec lui au Brésil. C'est dans un hôtel de Sao Paulo que je vais retrouver Benjamin à quelques minutes de ce rendez-vous crucial avec elle. Après 7 longues années, Benjamin espère enfin revoir son fils Auréo. Un matin, tu prends conscience que c'est maintenant. Vous voulez connaître votre enfant? Là, je veux qu'il sache qui je suis, je veux qu'il me sente, qu'il me regarde, qu'il me voit et qu'il se dise « putain, oh, c'est lui mon papa », voilà, qu'il soit fier. Ils se disent que je ne l'ai pas oublié à aucun moment toutes ces années. Pourquoi avoir pris cette décision là, 7 ans après? Il y a quelque chose qui s'est à nouveau allumé en vous? Non, c'est simplement qu'en plus de ça, là depuis 2 ans, la personne avec qui je suis, là, ma petite perle, on parle de famille, de créer une famille. Et peut-être que inconsciemment, j'ai besoin de régler ça pour savoir où j'en suis, parce que moi, je veux vivre une vie de père. Parce que justement, traumatisé de cette histoire, et il faut qu'on arrive à une bonne fin, là. Enfin, une bonne continuité, parce que c'est pas la fin, là. C'est la suite, là. Donc là, écoute, je veux bien voir, hein, si elle est là, si tout se passe bien. Quelques minutes plus tard, Auréa arrive à l'hôtel. Et bonne surprise, Auréo est là. J'ai choisi de ne pas être présent lors de ces retrouvailles, un moment qui avant tout leur appartient. C'est Benjamin qui immortalise cet instant dont il a tellement rêvé. Tiens, viens Auréo. Ah, viens. C'est selfie. C'est ma première photo. Fala pour la caméra. Enfin, bonjour la France, bonjour. Aí vem o carro atrás tropela. Atrás tropelado. C'est grand. C'est presque aussi grand que moi. Benjamin est heureux de revoir son fils, mais ce qui lui importe aussi, c'est de s'expliquer enfin avec Auréa. Trop de temps a passé, et Benjamin veut qu'elle comprenne que tout le monde a à perdre dans cette histoire. Il est temps d'arrêter de se déchirer pour Auréo, mais aussi pour elle et pour lui. Le dialogue avec Auréa semble rétabli. Elle consent à laisser Benjamin passer les 3 jours qui viennent avec Auréo, mais en sa présence. On va jouer au basket. Allez, va, mon petit poisson lune. Allez, montre-moi comment tu nages. Auréo, elle est là. J'allais dire Auréo est trop fort.
Qu'est-ce que t'es grand. Ah, vous êtes bon enseignant, vous êtes pas la français, hein. Vous êtes pas bien français. Et voilà, mon petit garçon à qui j'ai offert sa première guitare. 3 jours de rapprochement et de complicité pour Benjamin, qui renoue des liens avec son fils. Because I'm happy. É brasileiro. Porque sou feliz. Je rejoins quelques heures avant le départ un homme transformé après des retrouvailles avec son fils qui ont dépassé ses espérances. De son côté, Auréa semble avoir réalisé la gravité de ses actes. Elle n'a pas refusé quoi que ce soit, bien au contraire. À un point, Olivier, que le gamin voulait rester à l'hôtel avec moi, dormir. Et ça, c'est une chose qu'elle me laisse tout seul avec Auréa. C'était impensable. Bah, je ne pouvais pas y croire. C'était impensable, inimaginable. Donc pour moi, c'est que du bonheur, là, parce que... Bah parce qu'elle, elle a enfin baissé les armes, elle comprend. Elle m'a demandé pardon plusieurs fois de ce qu'elle a fait. Puis j'ai pardon. Elle m'a demandé de la pardonner. Et comme quoi, il faut être aussi patient dans la vie. Alors même s'il faut en prendre et en laisser de tout ce qu'elle me dit, mais je pense qu'elle a vraiment pris conscience dans les yeux là, d'Auréa, son regard vers moi. Et puis hier, quand on s'est quitté, je l'ai pris, je l'ai serré, j'ai dit, tu sais, mon fils, je t'aime. Et, j'étais dans mon cœur à chaque instant, tous les jours, même si on a passé 7 ans loin l'un de l'autre, tu étais de toute façon toujours présent. Et du coup, hier, les 10 dernières secondes, je ne m'attendais pas à ça. Il m'a appelé papa, il m'a fait mais au pai, et au tiam tambien. Mon papa, je t'aime aussi. Et il m'a serré dans ses bras, et donc c'est. C'était la première fois qu'il vous appelait papa. C'est la première fois. Ah, il m'a retourné. Hein. Quand ils sont partis, je suis rentré dans la chambre, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'était de la joie, de la tristesse. Enfin, tout était mélangé. J'étais abasourdi. Un mot, une phrase, une caresse. Il m'a embrassé. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Même pour moi, c'était nouveau, donc cette sensation. Alors, pour pouvoir l'expliquer là, c'est... Vous êtes heureux. Ouais. Hein? C'est incroyable cette sensation. En quittant le Brésil, je suis très heureux pour Benjamin, car j'ai l'impression que le jeune homme va enfin pouvoir avancer et envisager l'avenir plus sereinement. Il a prévu de retourner régulièrement au Brésil, en attendant qu'Auréa lui fasse pleinement confiance pour que son fils vienne passer un peu de temps en France. Je rejoins maintenant Montbrison pour avoir un autre éclairage sur ces histoires d'enlèvements parentaux. C'est le point de vue des enfants que j'aimerais entendre. Patricia et Nadia n'ont pas seulement été victimes d'une mésentente parentale, mais d'une profonde différence de culture et de religion. Nées en France, filles d'une mère suisse et d'un père algérien, Patricia et Nadia ont été enlevées par leur père à l'adolescence pour être mariées de force en Algérie. Bonjour Patricia, comment allez-vous? Bien, merci, et vous? Bien, très bien. Super, avec ce beau soleil. On a la chance d'avoir ce beau temps. Tout à fait. Dans la famille, il y a 3 filles. La plus jeune n'a que 14 ans quand ses 2 sœurs aînées vont être enlevées. En 1978, toutes les 3 s'entendent bien et se serrent les coudes face à l'éducation très stricte de leur père. D'abord, on l'appelait pas papa. D'accord. Pourquoi ? On l'appelait le père. Le père ? Oui. Parce qu'il n'y avait pas de... Il était dur. La relation, on ne peut pas dire qu'il y en avait une. C'était... Il n'y avait pas de communication. Il n'était pas spécialement agréable avec ma mère, déjà. C'est un père que vous craignez ? À ce moment-là, oui. Ouais. Oui. Vous avez 16 ans, Nadia a 17 ans. L'été arrive.
votre père vous propose de vous emmener en vacances en Algérie. Je crois qu'on n'a pas vraiment le choix d'ailleurs. Hein. Donc on atterrit dans une famille de 11 personnes, dans un petit appartement à 3 pièces cuisine. Constantine. À Constantine. Cette famille qui vous accueille pour les vacances, c'est de la famille de votre père ou... Non, c'est simplement un ami, le meilleur ami de mon père. Le meilleur ami de votre père, d'accord. Les 10 jours ne sont pas des plus agréables pour Patricia et Nadia. Leur père ne s'occupe pas d'elles et passe tout son temps avec son ami. Pendant ce temps, les filles obéissent aux règles de la maison. Elles ne sortent jamais, restent toute la journée dans ce petit appartement en compagnie de deux des fils de la famille. À la fin du séjour, les filles sont heureuses de rentrer en France. C'est là que leur père va leur annoncer une très mauvaise nouvelle. Nos affaires sont prêtes, mais il dit, mais je ne vous emmène pas, vous restez ici. Et là, il se frotte les mains, il sourit, et c'est là que l'inconcevable tombe vraiment comme un coup près. Et là, on n'imagine pas ça. C'est pas possible. On a l'impression d'être des objets, de pas d'être des êtres humains, pas d'être des enfants. Pas... On est quoi pour lui? On est quoi pour qu'il nous abandonne comme ça? Est-ce qu'il vous dit pourquoi il vous laisse là? Non, il nous dit juste, je vous laisse ici, vous serez bien. C'est la seule explication qu'on a eue. On a eu beau le supplier, lui dire qu'on voulait repartir avec lui, qu'on allait louper la rentrée des classes. Rien. Envie d'hurler, envie de fuir, et c'est pas possible. Lorsqu'on n'a pas de papier, là, vous avez toutes les deux 16 et 17 ans. On est coincé. Vous êtes coincé. Oui, on n'a pas d'argent ensuite. On n'a pas de vêtements, à part les vêtements qu'on avait pour les 10 jours de vacances. Même si c'est le pays de notre père, d'origine de notre père, pour moi, c'est pas mon pays. Bah, pas du tout. Je veux dire, on n'a jamais vécu là-bas, on a une culture occidentale, on n'a jamais vécu à l'algérienne. Donc, je ne suis pas chez moi. La seule chose qui fait tenir Patricia, c'est d'être avec sa sœur. Un lien vital pour ces deux adolescentes qui vivent une quasi-séquestration et qui comprennent vite que leur avenir a été décidé. Patricia et Nadia sont promises à deux des fils de la famille. Pour l'instant, elles n'ont pas d'autre choix que de s'adapter. On est confinés dans un intérieur où on est obligé d'être. Il y a peu de sorties. Les grandes sorties, c'est la poste qui sont juste derrière la maison. On voit aussi, quand un cousin, entre guillemets, donc, rentre dans l'appartement, si nous, on est là, on doit aller se cacher dans la chambre du fond. Pourquoi? Parce que l'homme qui arrive, qui rentre, qui ne fait pas partie de la famille, ne doit pas nous voir. On ne doit pas voir les filles qui sont là. Et comment est-ce que vous vivez ce type de choses? Ça, on trouve ça complètement, complètement ridicule. Et en même temps, on n'a pas le choix. On est obligé de se conformer à la règle qui est celle-là. Pour moi, c'est comme... on est en prison. On est en prison dans une prison sans barreaux. Votre maman réalise, bien évidemment, lorsqu'elle ne vous voit pas revenir, que vous avez été pris par votre père. Comment vit-elle cet événement, votre mère, et comment y réagit-elle? Elle ne nous dit pas ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent. Elle, Elle vous écrit? Elle nous écrit. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, votre maman? Toujours, elle nous dit « gardez espoir, je fais le nécessaire, j'ai vu mon avocat ». Elle est partie, elle a quitté la maison. D'accord, donc vous apprenez que votre père et votre mère se sont séparés. Oui. Le fait de nous avoir emmenés, ma mère n'a pas supporté. Elle lui dit « si tu ne ramènes pas les enfants, je pars ». Et c'est ce qu'elle a fait. Un père déchu de ses droits parentaux, menacé par la justice. Mais comme aucun accord n'existe entre l'Algérie et la France, les jeunes filles ne peuvent rien attendre des autorités. Durant la première année, Patricia et Nadia multiplient les appels au secours par courrier, sans succès. Elles sont contraintes de travailler dans l'entreprise de l'ami de leur père et continuent d'être courtisées par ceux à qui elles ont été promises. Nadia commence tout doucement à se décourager, tandis que Patricia, elle, continue de se battre. Un jour, je suis allée au consulat, qui était pas loin, on a eu de la chance, c'était pas loin de la maison, consulat français, et je leur raconte mon histoire. Qu'on a été enlevé, que je veux rentrer en France, qu'on veut nous marier, et que moi je veux pas rester là, que mon pays c'est la France. Et il me regarde, il me dit non. Je crois que je me décompose à ce moment-là. Ils me disent attendez vos 21 ans, votre père, vous aurez peut-être des papiers pour partir. Mais je dis mais non, c'est pas possible, je vais pas repartir. Mais j'ai eu envie, je crois, de mourir sur place. J'étais dans le pays de mon père, donc j'avais pas de papier français. De toute façon, j'avais pas de papier du tout. Et ni Nadia,
Et ça, ça a été l'horreur, ce truc-là. Il y a une indifférence à notre ressenti. C'était ça aussi le plus difficile, je crois. D'être seul, en fait. Il n'y a personne, oui. Donc, la chose vraiment la plus importante, c'était ma sœur. Je crois que si on n'avait pas été là l'une pour l'autre, je ne sais pas comment auraient été les choses. Et quand je voyais Nadia partir de plus en plus, c'est vrai que j'ai vraiment eu peur à un moment donné de ne pas tenir toute seule. Comment est-ce que vous expliquez la bifurcation de Nadia? J'ai vu petit à petit, quand tous les jours on vous dit ce sera ton mari, que ce soit pour elle ou pour moi, c'est une pression qui est tellement importante que si on ne croit pas suffisamment ou si on n'a pas un espoir suffisant, on peut basculer comme ça. Mmh. Et vous pensez que Nadia a fini par basculer comme ça? Oui. Nadia, déjà, pour elle qui était si pleine de vie, si joyeuse, petit à petit, elle a commencé à plus sourire. Petit à petit, elle a commencé à être malade physiquement. Donc ça a été vraiment les prémices de l'abandon. Elle avait des rhumatismes, enfin, elle a eu plein de bobos. Et elle me disait, la vraie Nadia est morte. Et c'est vrai que je voyais dans son regard beaucoup, beaucoup de tristesse. Et c'est comme si elle s'était complètement résignée déjà quand elle me disait ça. Et moi, si j'y restais là-bas, c'est ça. C'était accepter de mourir. Deux autres années passent. En 1981, Nadia abandonne tout espoir de retour et se résigne à accepter le mariage. Patricia le vit très mal. Elle va même jusqu'à refuser d'être sa témoin et se sent de plus en plus seule. Le salut va finalement venir d'une autre Patricia, la meilleure amie de Nadia, sa confidente depuis toute petite. Depuis la France, la jeune fille entretient une correspondance avec Nadia et a reçu dès le début ses appels au secours. Nadia m'envoie une lettre déchirante où elle me dit « Il est parti, il nous a confisqué nos papiers, on est prisonnière, je veux pas rester là. » Les idées les plus folles qui me sont venues tout de suite, c'est je vais travailler, me faire un petit pécule, je vais prendre un billet d'avion. Je vais en prendre un aller-retour pour moi et puis je vais en prendre un autre aussi. Puis je vais les ramener à moi toute seule. Mmh. Il n'y a pas de barrière. Pour moi, ce n'était pas possible. Je veux dire, il n'y avait pas de gens qui volaient les gens et qui les enfermaient quelque part et sans leur consentement, les gardaient. Ça n'existait pas, ça, pour vous ? Non. Sauf que ce n'était pas si simple que ça. Mmh. Je veux dire, on est vite rattrapé par la réalité. Mmh. Ce n'est pas des choses qui sont jouables. Et une fois, un collègue me dit « Ah, mais... moi, je connais quelqu'un qui s'occupe de ces affaires-là. De ces affaires-là, de ces enfants qui sont enlevés, emmenés dans des pays où on les séquestre, où après, il n'y a plus aucun autre moyen de les ramener là où ils sont nés et de leur laisser le choix. » Alors, j'ai pris rendez-vous après un coup de fil et puis j'y suis allée. Seulement, j'ai été fortement déçue parce que quand j'y suis allée, ma seule démarche ne suffisait pas. Ils ne pouvaient pas me croire, moi, et surtout, ils ne pouvaient pas enclencher un processus sur ma seule parole. Il fallait que la parole émane d'elle. Il fallait que ce soit Nadia et Sissa qui en fassent la demande. Et là, quand je suis repartie, j'ai immédiatement, je crois que j'ai même pas attendu de rentrer chez moi, j'ai pris un bout de papier, j'ai écrit tout de suite, comme les infos m'avaient été données, et j'ai presque écrit en format télégramme. Voilà une adresse, j'ai trouvé la solution, stop. Écrivez-lui tout de suite, demandez-lui. Moi, je ne peux pas le faire pour vous, faites-le vous. En Algérie, dès que les deux sœurs reçoivent cette lettre, tout s'accélère. Patricia rentre en contact avec un certain monsieur Muller, un détective privé spécialisé dans le rapatriement d'enfants kidnappés. En secret, Patricia écrit à cet homme dont elle ignore tout. Une véritable bouteille à la mer. Cette lettre, elle l'avait relue à l'âge de 18 ans pour l'émission Les Nouveaux Vendredis sur FR3, dont une équipe suivait les détectives. Constantine, le 22 octobre 1980. Cher Monsieur Muller, une amie de ma sœur m'a envoyé votre adresse en me disant que vous pourriez m'aider à regagner la France. Je me présente. Je m'appelle Patricia. J'ai 18 ans. Vous savez, monsieur, je ne tiens pas à rester ici. Je ne peux pas vivre en Algérie. Mon vœu le plus cher est de retourner en France. Retrouver ma mère et ma petite sœur qui habitent à Verdun actuellement. Nous ne nous connaissons pas.
Mais si j'ai finalement décidé de vous écrire, c'est parce que tout ce que ma mère a entrepris n'a abouti à rien. Pour ma sœur Nadia, le problème ne se pose plus. Elle s'est mariée il y a peu de temps avec l'aîné des fils, mais moi, monsieur, je ne tiens pas à rester ici. Je vous en prie, monsieur. Si vraiment vous pouviez me faire gagner la France, je vous en serais reconnaissante à jamais. Il me semble que vous êtes ma seule chance. Mon dernier espoir. Il n'en faut pas plus à ce monsieur Muller pour passer à l'action. Avec l'aide de la mère de Patricia, il monte une expédition en Algérie et dirige l'opération depuis la France. Deux de ses agents, qui se font passer pour des diplomates suisses, se présentent alors une première fois au domicile de Patricia. Mais son futur mari, qui la séquestre, leur refuse l'entrée. Les détectives arrivent alors à approcher Nadia. Même si elle a abdiqué et a décidé de rester en Algérie, Nadia va aider sa sœur à s'échapper. Les détectives lui ont glissé un bout de papier dans la main. Donc elle est rentrée tout de suite derrière. Et Nadia est venue me voir. Et alors là, c'était vraiment très, très chargé d'émotions. Elle m'a dit, t'inquiète pas. Elle a ouvert le bout de papier, elle l'a lu. Elle m'a dit qu'il viendrait me chercher, qu'il fallait que je sois prête. Et pour pas qu'il y ait de traces, elle a mangé le papier. Ça, c'est fort. Mmh. Et là, on s'est pris dans les bras l'une de l'autre. Elle m'a dit, tu me réveilles pas au moment où je partirai. Et c'est vrai que je suis partie, donc il y avait les trois matelas par terre. Il fallait passer sur un des matelas pour pouvoir que je m'extirpe. J'ai remercié le ciel, que ce soit pas du parquet, mais que ce soit du carrelage, hein, pour pas faire de bruit. Et j'ai regardé une dernière fois en direction du lit de Nadia. J'ai pris mon sac de laine, mon manteau et je suis partie. Et je savais que je la reverrai pas. Au petit matin, les deux détectives et les reporters de FR3 qui filment toute l'opération s'apprêtent à rejoindre le point de rendez-vous qu'ils ont fixé à Patricia. On va arriver à l'heure très précise. Ça n'a pas l'air très, très pratique pour elle de sortir. Il y a beaucoup de monde dans cette maison et elle est surveillée. Ah, elle est là. Oui, c'est ça. Je surveille les alentours. OK. Désormais, la jeune fille est clandestine. Pour que son évasion réussisse, il faut fuir le plus vite possible. Allez, il faut se dépêcher. Allez, vas-y, il n'y a rien, c'est bon. Vous entendez ? Oui, il y a peut-être 10 minutes que j'attends. J'avais peur que vous ne veniez pas. Tu penses au rideau, là, vas-y, éteins les rideaux. Oh, je vous remercie infiniment d'être venu. Non, bah, c'est normal. Personne t'a vu ? Non, il n'y a personne qui m'a vu, je suis sortie. Bon. Ni suivi, ni rien ? Non, non. J'ai fait vite, si personne ne m'a vu, j'ai pas fait de bruit. Bon, bah, ça va, ok, garde. J'espère que ça m'a. Ouais, c'est bon. Si on aperçoit qu'on va tout de suite à la maison. Sans maintenant, c'est fini. Hein. Oui. C'est parti. Hein. C'est la vie de l'autre côté. Ouais, le périple est long et dure plus de 10 jours. 10 jours d'angoisse où, à tout moment, la petite équipe craint d'être arrêtée par la police algérienne. La voiture. Malgré cela, les hommes arrivent à contourner chaque barrage, chaque frontière, quitte à traverser certaines zones clandestinement. Si l'équipe de M. Muller ne serait pas venue, je ne sais pas qu'est-ce que je serais devenue. Vraiment, j'étais désespérée. J'ai même pensé à me suicider au début. Mais maintenant, cette idée, ça m'est passé parce que quand même, je tiens à la vie, mais je ne sais pas quelle est la vie que j'aurais eue ici. Le 10 avril 1980, Patricia a 19 ans quand elle retrouve enfin sa mère et sa petite sœur Corinne, qu'elle n'a pas vue depuis 3 ans. Je pleure pas, ma fille. Je vais mettre avec moi. Quand je rentre, j'aime tout. C'est-à-dire que j'apprécie la vie, que je me dis que j'ai de la chance d'être là, que tout est cadeau. Bon, alors à ta santé. J'espère que tu seras heureuse en France, que tu auras bientôt du travail. À la vôtre. Passer les retrouvailles heureuses, Patricia a dû surmonter les conséquences de ces 3 années d'enlèvement et de trahison qui l'ont changée à jamais. C'était l'homme n'est pas fiable, l'homme est dangereux. Donc il n'y avait pas de relation vraie.
3 ans aussi sans scolarité, ben, je trouve que c'est énorme parce que ça fait un trou énorme au niveau des connaissances. J'avais vraiment un sentiment d'infériorité très fort. Pendant des années, je me suis sentie très très seule. Mm-hmm. C'est-à-dire avec une difficulté à vivre, avec une solitude, avec l'impression de ne pas avoir de famille. Ma mère est décédée assez rapidement derrière. Je pense que cette histoire d'enlèvement a contribué à sa maladie. Et je m'en suis vraiment rendu compte en rentrant comment ça peut briser, comment ça peut faire mal, comment elle a pu être vraiment très très abîmée par cette histoire. Et avec votre sœur Corinne Ça n'a pas dû être simple pour elle non plus. On pourrait croire qu'elle était en France, qu'elle était protégée. Mmh. Et je pense que ce n'est pas le cas. Elle a subi la séparation de nos parents. Elle a subi cet enlèvement aussi. Elle a subi cet enlèvement, l'enlèvement de ses deux sœurs. Quand on a 14 ans et qu'on enlève les deux grandes sœurs, ça doit être compliqué à gérer. Oui. Elle a vu notre mère décliner, je veux dire, dans cet état dépressif. Et quand une maman est absente dans sa tête parce qu'elle a ses deux enfants loin, peut-être que notre mère n'était plus non plus en capacité d'être suffisamment présente pour Corinne. Donc toute la famille en a supporté les conséquences, en a souffert d'une manière différente. Malgré tout cela, Patricia a su se reconstruire. Elle s'est mariée, elle a eu deux enfants. Mais surtout, elle a gardé un lien que toute cette histoire n'a pas pu briser, celui avec Nadia. Mais elle a dû faire un long travail sur elle-même pour réussir à retourner en Algérie, revoir sa sœur, ses neveux et ses nièces. Bonjour Sarah, tu vas bien ma grande ? Maman, ça va total. Eh bien ça va. Oui, la baisse moi. Ça va, merci, Ah, tu nous manques, hein ? Ah bah oui, mais je reviendrai bientôt, je sais pas quand, mais voilà. Aujourd'hui, le dialogue avec Nadia restée en Algérie passe par Internet. Si Nadia n'a pas voulu apparaître à l'image, elle accepte toutefois d'évoquer son passé. Et j'ai envie de savoir pourquoi, à l'époque, elle n'a pas cherché à s'enfuir avec sa sœur. C'est vrai que j'ai perdu espoir. Moi, je ne croyais plus en rien, je ne croyais plus du tout. Je n'ai pas eu cette persévérance qu'elle a eue, Patricia, de s'accrocher. Et à côté de moi, j'avais un homme qui était amoureux de moi. J'ai dit peut-être si je l'épouse, je pourrais retrouver une certaine liberté, entre guillemets. Mm-hmm. Et puis, si vous voulez, lui aussi, dans cette histoire, ça a été aussi une victime aussi. Mm-hmm. Il est coupable de rien, lui. Voilà, je me suis engagée et j'ai respecté mon engagement. J'aurais dû résister. J'y pense toujours. Mm-hmm. C'est un truc qui me travaille quand même, cette réaction que j'ai eue, à m'oublier complètement. Au lieu de pleurer sur mon sort, au lieu de pleurer et dire « Merde, Nadia, tu te rends compte, t'aurais pu partir, tu te rends compte, t'es là, regarde la vie qui t'attend. » Rien, rien, néant, rien, c'est du noir. Il n'y avait rien dans ma tête. Vivre toute une vie dans une maison, très peu de sorties, mais ils ne comprennent pas ça. Même mon mari, il est très gentil, il est très aimant. Mais il ne comprend pas ce que je ressens. C'est son éducation, c'est sa religion, c'est leur façon de voir les choses. Vous arrivez à être heureuse aujourd'hui quand même par rapport à cette histoire ? Oui, bah oui, oui quand même, oui. Comment est-ce que vous vous êtes reconstruite ? Ben, si vous voulez, quand j'ai eu mes enfants, j'ai occulté ma souffrance. Je voulais avoir une raison de vivre. C'est un truc qui a tellement été brutal, surtout de la part d'un papa. Un papa qui nous a abandonnés. J'ai senti, c'est de la douleur, c'est de l'incompréhension, c'est un cauchemar éveillé. C'est inimaginable. Inimaginable. C'est quelque chose auquel vous pensez encore aujourd'hui. Est-ce que vous êtes expliqué tout ça ? Est-ce que Mais avec le recul, puisque maintenant j'ai vécu avec des Algériens, j'ai les deux cultures. Je peux comprendre les ressentis d'une famille algérienne et je comprends les ressentis d'une femme, d'une Européenne. Je peux comprendre les deux. J'ai été enrichie par ça. Et donc, j'ai pu comprendre son geste et lui pardonner, parce que je lui ai pardonné sincèrement. J'ai eu du mal, ça m'a pris des années, hein, je ne vais pas vous le cacher. Mais quand on pardonne, on se sent mieux soi-même. On se sent mieux soi-même. Si on est rongé par la rancune, alors là, il vient de temps en temps, tous les ans. Il est venu avec moi au mariage de mes enfants. Ça m'a fait du bien que mon père soit là. J'ai des racines quand même. Bonjour, je te demande 5 minutes, s'il te plaît. Il y a mon fils qui arrive.
suis là. Ah, je suis avec Cicia. Oh, coucou. Tu vas bien? Ah oui. Ouais. Ah bah c'est bien. Est-ce que t'es jolie, tata? Oh bah t'es gentil, mon grand. Hein? C'est son nouveau fiancé. Il a dit, c'est qui, lui? C'est qui, le mec jamaïcain, il a dit. Oh, c'est un blanc, c'est un blanc. Ouais, c'est un blanc. Après cet enlèvement, Patricia a décidé de redevenir l'actrice de sa propre vie. Aujourd'hui, elle est thérapeute et s'occupe d'adolescents en difficulté, comme pour exorciser son passé douloureux. Un travail de plusieurs années pour évacuer sa colère et réussir, elle aussi, à pardonner à son père. Il a accepté de me rencontrer et quand je suis arrivée chez lui, donc on s'est dit bonjour, bon, c'était quand même pas, on ne savait pas trop comment, je ne l'avais pas revu depuis 14 ans. Et puis ce qui était bien, c'est que sur sa petite table de salon, il avait un vase. Et j'ai utilisé vraiment le support qui était là et je lui ai dit, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois? Donc il m'a décrit ce qu'il a vu et moi je lui ai dit, tu vois, moi ce que je vois c'est différent. Mais ce que tu vois c'est juste, mais ce que je vois c'est juste aussi. Donc, pour l'Algérie, c'est la même chose. Je lui dis, toi, tu avais une vision de voir les choses et moi, j'en avais une autre. Ta vision et la mienne ne sont pas les mêmes. Mais certainement, pour toi, c'était juste. Ce que tu as fait, c'était juste pour toi. Mais pour moi, c'était pas juste. Il m'a regardé étonné, il m'a dit, t'es pas bête, toi, t'es pas bête. Donc là, il y a... Ce qu'on pouvait prendre de sa part... Oui, ça veut dire qu'il y avait vraiment une ouverture là, ouais, qui se faisait. Mmh. Et... il y a quelque chose qui s'est un peu lâché en moi, qui s'est libéré. Et la vraie réconciliation s'est produit là. En quittant Patricia, je ne peux m'empêcher de penser qu'on ne peut pas mettre toute cette histoire sur le seul compte d'une différence de culture et de religion. C'est avant tout le comportement extrême d'un homme qui n'a pas su respecter le fait qu'un enfant n'est pas la propriété de ses parents. Dans les enlèvements parentaux, il arrive parfois le pire. Je me rends aujourd'hui à Caen pour rencontrer Nathalie quelques semaines avant la tenue d'un procès pour une affaire exceptionnelle. Le cas unique en France d'un père qui a enlevé son fils et qui refuse de dire où se trouve l'enfant. Mathis, le fils de Nathalie, a été kidnappé en septembre 2011 par son ex-mari. Ça va. À l'époque, Sylvain garde son fils chaque week-end jusqu'au jour où Mathis ne rentre pas. C'était lors d'un week-end de garde qu'il avait. Donc il est allé chercher Mathis à l'école, comme c'était prévu. Et puis, moi, le dimanche, il ne me l'a pas ramené à 18h. Quoi. À 18h30, quand j'ai vu que Mathis n'était pas rentré, je me disais qu'il s'était passé quelque chose. Donc on va direct au commissariat et puis on signale non-présentation d'enfant. Et là, c'est le début de... De l'enfer. De l'enfer. Depuis 4 ans, vous ne l'avez plus vu. Non, plus du tout. Ni personne d'ailleurs. Ni personne. Où est votre ex-compagnon aujourd'hui, votre ex-mari? Il est incarcéré à la maison d'arrêt de Caen. Ouais. Depuis le 9 décembre 2011. Et puis depuis le 9 décembre 2011, il dit rien. En tout cas, en ce qui concerne l'endroit où se trouve Mathis et dans quelles conditions il vit. D'accord. Cela veut dire qu'on lui a posé la question maintes et maintes fois. Ouais. On a tout tenté. Il n'y a rien qui... Il veut pas. Il veut pas. C'est désespérant. C'est angoissant. Nathalie rencontre Sylvain Joanneau en 2001 à Caen. Au début, Sylvain est quelqu'un d'intelligent, de sympathique, qui se montre sociable et attentionné. Au bout de 2 ans, le couple se marie et Nathalie donne naissance à Mathis. Mais quelques mois plus tard, Sylvain est victime d'un licenciement économique et oblige Nathalie à déménager à Rouen, où il retrouve du travail. Très vite, Nathalie découvre un Sylvain fragile, instable, et entre eux, la situation se dégrade. J'avais plus mes amis, j'avais plus ma famille, j'étais tout seul avec Mathis, toute la journée, parce qu'il travaillait, donc voilà. Et j'avais pris un congé parental, donc je travaillais plus non plus. D'accord. Déjà, à ce moment-là, je me sentais pas bien. Il exerçait une espèce de manipulation
de sorte que je puisse pas communiquer avec les gens autour de moi. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les relations dans votre couple se sont dégradées. Oui. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un caractère assez fort, donc je m'opposais quelquefois à lui par rapport à des choses. Et il ne gérait pas du tout ça. Il ne gérait pas. Il ne supportait pas que je m'oppose à lui. C'était lui qui décidait, de la façon dont on éduquait Mathis, c'était lui qui... Alors que moi, non, c'était pas l'optique d'une vie de famille. Hein. Une famille, c'est un partage, c'est, on discute, on échange, oui. Voilà. Et lui, non, pas du tout. Je ne communiquais plus avec lui, il partait, je ne savais pas où il allait. Enfin, on était devenus des étrangers, quoi. Ah oui, carrément. Ouais. Ouais. Ma seule motivation à ce moment-là, c'était de protéger mon Mathis. Et c'est là que j'ai commencé à préparer mon départ, quoi. Vous m'avez dit qu'il a accepté que je parte. Oui, parce qu'il fallait son autorisation. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il a accepté sous certaines conditions. Mm-hmm. Donc, il m'a présenté un document qui disait... C'était un contrat que je devais signer avec lui. Il y avait les conditions dessus. Un contrat. Et quand j'ai commencé à lire le contrat, je me suis aperçue qu'en fait, il monnayait Mathis parce que il voulait pas que au niveau de la vie justice, je lui réclame une pension alimentaire. Et en contrepartie, c'est moi qui décidais s'il devait voir Mathis ou pas. Pas de pension alimentaire, ouais. Mais tu décides ouais. Quand je vois mon fils. Ouais. Pour moi, c'était affreux. On ne pose pas de conditions pour voir un enfant. Mmh. C'est son fils. Si j'avais accepté ce contrat, si j'avais voulu, il ne le voyait plus. Vous voyez? Alors que moi, c'était pas du tout mon idée. Ouais. De lui faire comprendre qu'il y a des lois, qu'on ne peut pas passer outre les lois et qu'il avait des devoirs envers Mathis et je voyais pas pourquoi, par rapport à un contrat, il pouvait y échapper, quoi. Finalement, vous divorcez à l'amiable. Lui... Oui, le divorce a été prononcé, classique, hein, un week-end sur deux. Il y avait une pension alimentaire de décider, voilà, classique, quoi. Et il le prend comment, ça? Très, très mal, parce que il n'avait pas l'habitude que ce soit les autres qui décident à sa place, quoi. Donc il est en colère. À cause de ce contrat que Nathalie a dévoilé à son avocate, Sylvain se sent trahi. L'homme fait traîner la procédure et le divorce s'étire d'appel en appel. Fatiguée, Nathalie retourne à Caen avec son petit garçon, où elle ouvre un commerce. Je vendais des jouets en bois. D'accord. Quand j'ai acheté ce magasin, j'ai été rassurée parce que Mathis était à l'école, dans une petite école à 500 mètres d'ici. Mm-hmm. Et puis, tout au bout de la rue, j'avais mon avocate. Oui. Et encore plus haut, il y avait le tribunal. D'accord. Donc, peut-être qu'inconsciemment, j'ai tissé cette toile pour avoir un maximum de sécurité, mm-hmm, pour moi et Mathis. Si Nathalie parle de sécurité, c'est parce que progressivement, elle trouve que son ex-mari est de plus en plus menaçant, procédurier et lunatique. Elle se sent harcelée. Par téléphone, par courrier, il lui fait des reproches sur l'éducation de Mathis. Il disait que, étant donné que je travaillais beaucoup en tant que commerçante, j'étais une mauvaise mère, que j'arrivais pas à m'occuper de Mathis, que je l'avais mis dans un placard parce que j'avais un petit appartement. Des tas de choses comme ça, quoi. Il mettait une telle pression que... Je me sentais épiée, menacée dans ce que je faisais avec Mathis ou pas, enfin, surveillée. Je me disais tous les jours qu'est-ce qu'il va m'inventer comme délire. Donc du coup, on a une tension permanente. C'était pas violent physiquement, ouais. C'était violent psychologiquement. Parce que vous savez plus où vous en êtes, quoi. C'est alors que Nathalie rencontre un autre homme, Alain, qui élève Mathis comme son propre fils. C'est plus proche. Mais entre elle et son ex-mari, les tensions continuent de s'aggraver. Et en mars 2011, après deux week-ends de garde d'affilée, Nathalie retrouve Mathis totalement perturbé. Le petit garçon de 8 ans fait pipi au lit chez son père et celui-ci le punit, l'obligeant à copier des lignes toute la journée. Nathalie le signale au juge des affaires familiales qui ordonne une mise à l'épreuve de 3 mois. À l'issue de ces 3 mois, les gardes doivent recommencer. Quand on est arrivé à l'école le vendredi matin, Mathis me dit clairement, il me dit « moi je veux pas y aller maman, je veux pas aller chez papa ». Donc j'étais à peu près au dépourvu, je lui ai dit « écoute,
On ne sait pas, tu ne peux pas savoir si ça ne va pas bien se passer. Ça peut très bien se passer avec ton papa. Il faut quand même essayer. J'avais une boule au ventre, je me disais mais qu'est-ce que je fais? Je le ramène avec moi, je le ramène pas. Parce qu'on souhaite toujours que les choses s'arrangent, malgré tout. Pour lui, en tout cas. Je me suis dit, ben, on verra bien, quoi. On verra bien. Arrive donc ce dimanche de septembre 2011, où donc Mathis doit arriver vers 18h. Mm. Et il n'arrive pas. À partir de ces 18h et à partir de l'absence du papa de Mathis, que se passe-t-il? Moi, je fais les 400 pas dans la maison. Je regarde par la fenêtre s'il n'arrive pas, si... À 18h15, je lui ai envoyé un texto auquel il n'a pas répondu. Je commençais à avoir l'angoisse qui commençait à monter parce que je me disais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé, où est Mathis. Toujours, il était à l'heure, donc 18h30, je disais non, c'est pas possible, il y a autre chose, quoi. On a pris la voiture, on est au commissariat et on a déclaré, en fait, comme quoi le père n'avait pas ramené Mathis à la maison. Non présentation d'enfant. Non présentation d'enfant. Dans le commissariat, on a eu quelqu'un qui nous a reçus et elle a compris très très vite que notre angoisse était quand même très importante. C'est là qu'elle a pris la décision d'appeler le procureur pour lancer la géolocalisation du portable. Donc cette géolocalisation est lancée et qu'est-ce qu'elle donne et au bout de combien de temps? Alors, ils nous ont appelés, le commissariat nous a appelés à 6h du matin. 6h du matin, le lundi matin, en nous disant qu'ils géolocalisaient le téléphone sur Bayonne, dans le sud-ouest de la France. Le téléphone donc de... Du père de Mathis. Du père de Mathis. Voilà. Et là, Nathalie me dit, on va à Bayonne. Toutes les forces de l'ordre étaient sur le pont, vraiment, autour de Bayonne. Et après, nous, on a fait des kilomètres et des kilomètres. On a tourné toute la nuit sur Bayonne, on a fait tous les heures de camping-car. Tous les heures de camping-car, ouais, tard dans vous la nuit. Vous cherchez un camping-car cette nuit-là. Voilà, ouais. C'est ça. Quitte à faire une fugue, enfin à partir comme ça avec son fils, il avait un camping-car. On s'est dit, bon, pour le confort, il va quand même au moins prendre le camping-car. Et vous ne trouvez aucune trace? Aucune trace, rien du tout. C'est le mardi matin, la police nous apprend en fait que le téléphone en fait, est en train de remonter vers la Normandie. Donc eux, de leur côté, les policiers ont mis des barrages en place. Oui. Sur l'autoroute, sauf que le premier barrage, ben, il n'y a pas de camping-car. 2 heures après, on apprend en fait qu'ils bifurquent vers Paris. Qu'ils ne montent plus en direction de la Normandie, mais qu'ils bifurquent vers Paris. D'accord. Et donc là, c'est pareil, on recontrôle tous les véhicules. Et là, toujours pas de camping-car, alors qu'on a toujours la géolocalisation du téléphone. Donc, le voyage continue? Donc nous, on remonte jusqu'en Normandie. Ouais. Et après, on attend, quoi, puisqu'on a déjà fait 2 barrages, on ne trouve rien, donc on attend. Et on s'aperçoit en fait que le téléphone a été mis dans une enveloppe, allumé, batterie pleine, posté à la poste de Bayonne, et qu'en fait, le téléphone est dans une enveloppe, dans un camion de la poste. D'accord. Et en fait, on suivait le camion de la poste, sans le savoir, parce qu'on cherchait un camping-car, mais d'accord. En fait, on suivait le camion de la poste. Là, c'est un peu la panique, parce que là, on perd toute trace, en fait. On suit un téléphone qui est dans un camion de la poste, et le père, il a disparu dans la nature avec Mathis, quoi. Donc là, on prend vraiment conscience qu'il y a vraiment enlèvement de Mathis, quoi. Mm-hmm. Et que là, on aura du mal à retrouver, quoi. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'alerte enlèvement sur... Parce que c'est le père. Les alertes enlèvement, c'est vraiment un kidnappeur qui est extérieur à la cellule familiale, en fait. Alors, je me retourne vers vous, Nathalie. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Le connaissant, je me dis qu'il a dû effectivement préparer ça depuis longtemps et de façon très carrée. Parce que tout ce qu'il faisait, c'était très carré. Ouais. Il n'y a rien qui dépasse. Donc, ce qui est inquiétant au départ de cette histoire, c'est qu'on n'a aucun témoignage. Ouais. De personnes qui a vu le père et Mathis ensemble. En fait, Mathis a été vu la dernière fois le samedi soir dans une restauration rapide à côté de Caen. Et depuis le samedi soir, plus personne n'a vu Mathis. Tout ça va durer jusqu'au 9 décembre. Jusqu'au 9 décembre, oui. Soit 4 mois. Quatre mois. Qu'est-ce qui se passe au 9 décembre? Le 9 décembre, on interpelle Sylvain Joanneau, donc le père de Mathis, à Villeneuve-les-Avignon. Seul? Seul, marchant seul avec un grand sac à dos, pas lavé depuis 3 semaines, un vrai clochard, quoi. En fait, il y a eu une recrute de gendarmes et de policiers qui ont été prévenus qu'éventuellement, ils pouvaient se trouver dans cette région-là. D'accord. Puisqu'il avait envoyé un courrier à son ex-compagne, lui donnant rendez-vous le 16 décembre à Villeneuve-les-Avignon. Donc, il est arrêté? Oui. Et pour nous, en fait, le cauchemar, il s'arrête là, quoi. Même pour vous faire une confidence, on a même bu le champagne. On a bu le champagne en disant, on va récupérer Mathis. On vient d'attraper le père. Dans les jours qui suivent, on va récupérer demain Mathis. Demain ou après-demain, une fois qu'il nous aura dit où est Mathis, on va récupérer Mathis. Mmh, mmh. Et là, il est interrogé par la juge d'instruction. C'était le dimanche. Le dimanche. D'accord. Le dimanche après-midi. Et c'est là qu'il annonce à la juge d'instruction qu'il ne veut pas dire où il a caché l'enfant. Et là, nous, tout s'écroule une seconde fois, en fait.
Mathis n'est pas avec lui, mais il ne veut pas dire où il a déposé Mathis. À qui il a confié Mathis. Il ne dit rien ou il donne... Il ne parle pas de Mathis. Il ne parle jamais de Mathis. Il ne parle jamais de Mathis. Dans les 10 000 pages de l'enquête, il n'a jamais prononcé mon fils, il n'a jamais prononcé le prénom de Mathis. Et à aucun moment, il ne donne le moindre indice, disant que... Non. Jamais. Et tout ça, c'est uniquement pour faire souffrir Nathalie. Parce que Nathalie l'a quitté. Et ça, il ne le supporte pas. Je l'ai trahi par le contrat que j'ai signé avec lui. D'accord. On en revient à ce contrat. Ouais, ouais. Il évoque ça? Ouais, de temps en temps, il en parle. Il est resté sur ce contrat, sur le fait que j'ai fait un contrat avec lui, que je ne devais pas le trahir, que c'était quelque chose de très important pour lui et qu'on en est arrivé là à cause de ce contrat que j'ai dévoilé à mon avocate. C'est... Enfin, il n'a pas avancé. Devant ce silence pesant, l'enquête avance, mais difficilement. Le camping-car a été retrouvé avec le cartable de Mathis à l'intérieur. Des traces de Sylvain Joanneau sont disséminées sur toute la côte méditerranéenne qu'il a traversée à pied, mais aucune piste ne donne quoi que ce soit. L'homme est alors incarcéré pour soustraction de mineurs, séquestration et complicité de séquestration, car il prétend avoir confié l'enfant à quelqu'un. C'est 2 mois lorsqu'il fait une demande d'examen immédiat, mais lui, comme il veut gagner du temps, si ça se trouve, cette fois-ci, il ne la fera pas. C'est Maître Lebray, l'avocate de Nathalie qui s'est le plus souvent confrontée à cet homme trouble qui continue de brouiller les pistes depuis 4 ans. Clairement, Madame Barré le sait, soit Mathis est avec des tiers qui l'élèvent, soit Mathis est mort. Donc il n'y a pas d'alternative. Et tant qu'on ne sait pas ce qu'il est advenu Mathis, aucune mère ne peut renoncer à l'idée qu'on va le retrouver. Bien évidemment. Pour l'instant, Monsieur Joanneau n'a jamais donné un élément permettant de retrouver l'enfant, permettant même de s'assurer qu'il est en sécurité quelque part. Mmh. Il parle de quoi s'il parle beaucoup? Il parle de lui, tout le temps. À chaque fois qu'on a pu, au cours de l'instruction, le ramener à Mathis, à sa situation, au fait qu'il était séparé non seulement de sa mère, ça c'est ce que voulait le père, mais de ses grands-parents paternels, maternels, de ses cousins, de son père même, il ramène le discours à lui. Si on lui dit « mais vous pensez pas que Mathis est malheureux ?», il va répondre « mais moi aussi ». Voilà. Ah, d'accord. Il explique son passage à l'acte par le comportement de la mère, par les erreurs du juge aux affaires familiales. C'est toujours de la faute des autres. Mmh. Comment vous définiriez-vous la personnalité de cet homme Alors, les psychiatres se sont penchés dessus, hein, dans le cadre de l'instruction, ce qui est tout à fait normal. Et justement, alors ce qui ressort, et là, nul besoin d'être psychiatre pour s'en rendre compte, c'est que c'est un homme égocentrique. Manipulateur. Mmh. Mais tous les égocentriques ne sont pas des Joanneau. Ouais. Tous les égocentriques n'enlèvent pas leur enfant. Ouais, d'accord. Donc il est plus compliqué que ça. C'est quelqu'un qui a trouvé un moyen pour faire souffrir son ex-conjoint. C'est d'accord, ça. C'est ça. S'il ne dit pas où est Mathis et comment le retrouver et dans quelles conditions il vit, il continue à créer chez sa victime, et sa victime pour lui, ce n'est pas Mathis, hein. Sa victime, c'est son ex-femme. Il continue à créer une situation de souffrance. Le jour où il se mettra à parler, bah, il n'aura plus ni la maîtrise du procès, ni la maîtrise de la souffrance de son ex-femme. Faute d'informations, toutes les hypothèses sont permises, toutes les pistes sont envisageables. Christiane et Francine, la mère et la tante de Nathalie, se battent chaque jour à ses côtés pour retrouver le petit garçon qui a 12 ans aujourd'hui. On avait créé un comité de soutien. Ah oui. Pour diffuser le plus largement possible les photos de Mathis, le numéro de téléphone, pour que les adhérents redistribuent sur Facebook, etc. On a une page Facebook pour Mathis, etc. Bon, voilà, c'est une petite... c'est une goutte d'eau, c'est mais un petit fil, quelquefois, que... le hasard fait que quelqu'un tombe un jour... Et se dit, mais c'est un visage qui me dit quelque chose. Mmh. Voilà. Moi, je pense qu'il est vivant. Ouais. Mmh. D'après ce que m'a dit Nathalie, lorsqu'il a été interrogé sur son comportement, son acte, sa disparition, etc., il a toujours dit
qu'il voulait que Mathis vive dans un autre cadre, une autre culture, avec une autre maman qui serait mieux, enfin, ou dans une autre famille qui serait mieux, etc. Et bon, on savait tous qu'après la séparation de Nathalie, il était allé au Maroc pour se fiancer avec une jeune Marocaine. Et ce que l'on sait, c'est qu'on a retrouvé quand même sa voiture non loin d'un lieu où il était facile de rencontrer des camions pour partir au Maroc. Comment est-ce que vous pensez aujourd'hui à Mathis? Vous y pensez, je suppose, régulièrement? Tous les jours. Tous les jours. Nous disions hier soir qu'il était, il serait rentré en sixième. Ouais. Ouais. Il est en photo ici, il est en photo chez vous, je sais. Il est là tous les jours. Oui. Donc, voilà. À ceux qui regardent cette émission ce soir et qui sauraient quelque chose, on a trois femmes qui ne sont pas prêtes de laisser tomber ce petit gars-là. Jamais. Pour Nathalie et Alain, l'espoir tient à ces quelques détails de l'enquête qui restent inexpliqués. Comme par exemple ces 20 000 euros que Sylvain Joanneau a retirés en espèces pendant sa cavale, et qui ont disparu. Quand on l'a arrêté au mois de décembre à Villeneuve-les-Avignon, il lui restait à peine un tiers de la somme. Donc nous, notre conviction, c'est qu'il a payé les gens qui détiennent Mathis. Ouais. Ça, c'est notre intime conviction. Ouais. Ou alors, qu'est-ce qu'il aurait fait de cet argent? Le fait de garder Mathis, c'était monnayable. Alors, après, je ne sais pas ce qu'il aura dit à ces gens-là. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont été manipulés. Parce que dans l'idée quand même de M. Joanneau, c'était de revenir vers Mathis, de pas tout le temps le laisser ces gens-là, sauf qu'il a été arrêté et du coup, est-ce qu'ils étaient au courant qu'il y avait un mandat d'arrêt, qu'il était dans l'illégalité Qu'est-ce qui vous fait dire que il avait prévu de rejoindre Mathis Il le dit. Oui, il le dit. Il le dit dans un courrier. Après, voilà, on ne sait jamais. Ça peut être un système de défense de sa part. Dire voilà, j'ai confié Mathis, je suis pas un meurtrier et d'avoir une peine de prison moindre. Alors qu'en fait, le doute, il est toujours là, quand même. Comment est-ce qu'au bout de 4 ans, vous fonctionnez? Je m'adresse... On survit. Nous, ça fait 4 ans qu'on a... Enfin, 4 ans qu'on vit au jour le jour. Ça fait 4 ans qu'on n'a plus de projet. Et on ne peut pas envisager de faire des projets, quoi. Et tous les matins, on a l'espoir que le téléphone va sonner et qu'on nous dise qu'on a retrouvé Mathis, quoi. Est-ce que c'est une sorte de non-vie, quelque part? Je dirais pas ça, parce qu'aujourd'hui, on a trouvé la foi. J'avais une certaine foi, aujourd'hui, je veux dire que ma foi s'est déclarée, quoi. J'ai une intime conviction que Mathis est vivant et qu'on retrouvera Mathis, quoi. Mm-hmm. C'est ça qui te fait vivre. Est-ce que vous avez des regrets sur la longueur? Non. Non, j'ai aucun regret. J'ai vu que protéger Mathis. J'aurais pu déplacer des montagnes pour le protéger. J'ai pas réussi. Je pensais pas qu'il l'enlèverait comme ça. Depuis plus d'un an, la justice a ouvert en parallèle une nouvelle enquête, pour homicide cette fois. On ne cherche plus seulement un petit garçon, on cherche le corps de Mathis. Une étape supplémentaire qui ne fait qu'accentuer l'angoisse et la douleur de Nathalie et d'Alain. Les enlèvements parentaux sont toujours lourds de conséquences. Tous ces parents, tous ces enfants ressortent profondément marqués par ces événements. Tous continuent de vivre, mais n'oublient jamais ces blessures qui font désormais partie de leur histoire. Nathalie avait placé tous ses espoirs dans le procès de Sylvain Joanneau, qui s'est tenu début juin 2015. Mais l'homme n'a rien révélé de nouveau concernant son fils durant les 4 jours de son procès. Il reste terré dans ce mutisme infernal. Sylvain Joanneau continue d'affirmer que Mathis est en lieu sûr et qu'il a changé de nom
qu'il vit, je cite, dans un pays musulman confié à des personnes puissantes. Il a été condamné à 20 ans de prison ferme pour enlèvement et séquestration. Lui seul sait ce qu'est devenu son fils, disparu à l'âge de 8 ans. Sylvain Joanneau est retourné en prison avec ses secrets. Quel que soit le nombre d'années que M. Joanneau passerait en prison, ça ne me redonnera pas Mathis de toute façon. Moi, je continuerai mon combat pour retrouver mon petit garçon. C'est-à-dire que je ne consacrerai ma vie que pour retrouver mon petit garçon. Mathilde a repris son activité de psychomotricienne. Avec sa petite Pénélope, elles vont désormais de l'avant sans jamais occulter ce qui s'est passé. Déjà, on va bien. Mmh. On va bien. On a passé une date symbolique. Maintenant, Pénélope a passé plus de temps avec sa mère que sans sa mère. Ça, ça a été une date symbolique pour moi. Moi, je regarde, je dirais, je regarde devant et derrière aussi. Et je regarde surtout ce qu'il y a de positif. Mmh. Lorsque vous dites « je regarde derrière », c'est « je regarde de temps en temps derrière ». Enfin, petit rétroviseur. Vous restez alerte. Mmh. Dans le rétroviseur, je vérifie que derrière, tout est clean. Benjamin est rentré chez lui plein d'enthousiasme. La prochaine étape est de réussir à faire venir Auréo en France. Mais en attendant, une chose est sûre, Benjamin a retrouvé un fils. Quand on était assis au début, quand on discutait sans le faire exprès, que je le regardais, on avait les mêmes postures, on était assis de la même façon. C'est des trucs qui sont dans les gènes, qui sont innés, ça. Tu peux pas le préparer à l'avance, quoi. C'est pas vu depuis 7 ans. Ça fait 10 ans qu'il a quitté le sol français et en quelques heures, on a l'impression qu'on a toujours été ensemble. Donc non, c'est juste magique. Quant à Patricia, elle a aujourd'hui beaucoup de recul sur son propre enlèvement et aimerait que son histoire puisse servir aux autres. Ce qui est vraiment important, c'est que des parents puissent entendre les blessures importantes que ça puisse générer, donc ils réfléchissent à deux fois avant de penser à enlever leur enfant. Et également, si des jeunes filles sont en danger, qu'elles puissent savoir qu'il y a des choses à faire et qu'on peut toujours faire quelque chose et qu'elles ont en elles, qu'elles peuvent en tout cas trouver la force de se sortir de ces situations-là.